Certaines pyramides de grande taille ont été construites pour déclencher des pluies et combattre la sécheresse. Nikola Tesla, qui a étudié les technologies des pyramides, a voulu construire des tours pour capter les énergies de la terre et du ciel, mais aussi il a affirmé pouvoir manipuler le climat et déclencher des pluies ou des sécheresses, aussi des séismes artificiels. Vous le savez, au sommet des montagnes, la pluviométrie est plus élevée et on remarque que malgré le vent et un ciel dégagé, des nuages entourent le sommet de certaines montagnes, car en fait la vapeur d'eau des nuages est attirée par le magnétisme des montagnes. Les nuages sont attirés par le sommet de certaines montagnes comme le fer est attiré par des aimants. Certaines montagnes sont très riches en ferrite, ce qui fait que si un avion passe au-dessus, comme les sommets des Alpes par exemple, l'avion est attiré vers le sol et doit augmenter la pression de ses réacteurs, et les turbulences mettent à rude épreuve l'appareil. Il est possible que les pyramides soient des générateurs magnétiques pour attirer les nuages. D'ailleurs, le pharaon disait à son peuple: « C'est grâce à moi qu'il pleut, obéissez-moi si vous voulez avoir à boire et à manger en abondance. » Il est possible qu'il évoquait cette technologie. On a retrouvé du mercure sous certaines pyramides en Amérique du Sud et des tuyaux dans des pyramides en Chine et des cristaux sous certaines pyramides en Égypte. Or, les roches de cristaux fortement comprimées avec le poids d'une pyramide peuvent générer un champ magnétique et de l'électricité. De plus, le magnétisme des pyramides pouvait aussi accélérer la germination de certaines graines et favoriser la croissance des plantes.